Coucou, encore une fois, bienvenue sur la chaîne Aymas. Sur cette chaîne, nous vous montrons les meilleurs endroits de notre cher pays, le Togo. Suivez-nous jusqu'à la fin parce que nous vous réservons des belles surprises dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous amener dans un immeuble situé à Baguida, en face du CG de Baguida. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer un ensemble d'appartements dans cet immeuble. Vous voyez, qu'est-ce que moi j'ai remarqué déjà dès mon arrivée, c'est que l'architecture de l'extérieur à l'intérieur, c'est de pure merveille. C'est-à-dire, la personne qui a fait ce travail doit être vraiment louée parce que c'est un travail très remarquable. C'est un travail qui déjà est démarqué de ce que les gens font habituellement. Vous-même, vous voyez les suites, vous-même, vous voyez les salons, vous-même, vous voyez l'intérieur, l'architecture. En tout cas, moi, tout simplement, je paie mes mots pour qualifier ce travail très merveilleux. Et je peux déjà féliciter la personne qui a fait ce travail. Parce que c'est une personne qui a la dévotion de faire quelque chose de meilleur. Si vous voyez le travail, c'est seulement la qualification qu'on peut trouver pour cette personne et le travail qu'il a accompli. Donc, sans tarder, nous allons vous montrer l'environnement de cet immeuble. Vous voyez, c'est en face du CG. Même vous voyez, c'est en face du CG de Baguida. Nous allons, dans la vidéo, vous montrer chaque coin et recoin de cet immeuble, les appartements qui constituent cet immeuble. Nous allons vous montrer tout dans cette vidéo. Donc, je pense que vous allez nous suivre tout au long de cette vidéo pour voir la pure merveille de cette personne. Déjà, nous sommes dans un appartement, dans l'un des appartements qui constituent cet immeuble. Vous voyez, ce dont je parlais, c'est que l'intérieur, l'architecture à l'intérieur. C'est-à-dire, la personne a pris le temps nécessaire d'étudier tout ce qu'il faut pour rendre les gens confortables et pour vraiment rendre les gens simplement à l'aise dans ces appartements. Vous voyez, tout est là. La climatisation, les jeux de lumière, les rideaux pour couvrir, vous avez l'éclairage naturel, vous avez tout ce qu'il faut dans un appartement, vous voyez. Comment l'appelle-t-on? Les meubles sont là. Tout ce qu'il faut, les canapés, la décoration, le décor. Moi, ce que j'apprécie déjà, c'est l'architecture d'intérieur qu'ils ont pour chaque appartement. C'est-à-dire, c'est un travail vraiment loué, hein. Parce que il n'y a pas beaucoup de ce genre d'appartement à Lomé ici. Non. Ça, il faut le dire. Nous sommes dans une cuisine, dans l'une des cuisines de cet immeuble. Donc, vous-même, vous voyez déjà de quoi je parle. Vous voyez comment les choses sont bien structurées. Il y a tout sur place. Vous venez seulement avec votre valise et puis vous vous posez. Vous êtes tranquille dans votre appartement. Il y a tout dans cette cuisine, par exemple. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même un réfrigérateur à l'intérieur de cette cuisine. Donc, qu'est-ce que vous manquez encore? Tout, vous avez tout. Vous voyez, la personne a minutieusement pensé à tout. Vous-même, vous pouvez dans les commentaires nous laisser vos avis, ce que vous pensez de ces appartements-là. Donc, je pense que nous allons vous montrer en détail chaque chose qui se trouve dans l'appartement. Donc, nous sommes précisément dans la cuisine. Vous voyez, nous sommes en train de vous montrer tout ce qu'il y a dans cette cuisine-là. Les tiroirs, il y a tout. Il y a tout. Tout ce dont vous aurez besoin.
Ouais, les frigos sont munis même de mini congélateurs, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter pour ça. Et voilà, petit ventilateur. Micro-ondes, vous avez tout quand même, hein. Vous avez tout dans la cuisine. Et là, nous sommes dans le salon. Nous sommes dans le salon de cet appartement. Et vous voyez, il y a premièrement la décoration qui est remarquable. Enfin, il y a aussi d'espace. Je trouve qu'il y a d'espace là-bas. Donc, vous pouvez dans un coin avoir une place à manger. Après, il y a une autre place pour regarder la télévision, pour se divertir simplement au salon. Après, vous avez une place dans le couloir pour le bureau, vous voyez. Et après, vous avez la chambre. Voyez, la chambre, comme naturellement, il y a l'éclairage dans cette chambre. Donc, s'il y a coupure de courant, par exemple, vous pouvez au moins avoir l'éclairage naturel dans votre chambre. Voyez, si vous le voulez, vous pouvez quand même, avec ces rideaux, couvrir les fenêtres ou bien voilà les fenêtres. Ah, s'il y a une fenêtre là-bas, je pense. Donc voilà, vous pouvez juste la couvrir avec le rideau ou les rideaux plutôt. Donc vous-même, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut dans cette chambre. Il y a tout ce qu'il faut dans cette chambre. En tout cas, c'est un travail à louer. Donc, comme vous le voyez, il y a la salle de bain. Vous voyez la salle de bain accessible déjà à la chambre. Vous voyez la douche. Moi, je trouve que la douche est très, très, très bien. Bien large. Qui peut couvrir, hein, la personne. Les miroirs. C'est un miroir très chic. Vous voyez aussi les pots. Ok. Maintenant, bon, après, nous sommes dans le couloir. Il y a un petit bureau ici. Hein, un petit bureau qui peut servir aussi. Et voilà la première chambre. Voilà la première chambre. Et vous voyez que vous remarquez quelque chose. Toutes les salles sont éclairées naturellement. Vous voyez, moi je trouve ça très bien. Vous pouvez avoir l'éclairage naturel d'abord. Avant de parler de l'installation électrique et tout, ils ont passé à ça. Et puis, il y a quelque chose aussi de très remarquable. Il y a l'aération. L'aération dans le salon, même dans les chambres. Donc c'est quelque chose qui je trouve très 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 importante qu'ils ont vraiment appliqué. Merci, vraiment merci pour ce travail. Et là nous sommes encore dans une autre salle de bain. Voilà la douche très large. C'est une autre douche, hein, mais elle se ressemble beaucoup. Elle se ressemble beaucoup. Les carreaux, tout ce que vous voulez, vous voyez. Et je vais vous dis indiquer la chaîne YouTube de la personne qui a réalisé ce beau travail. C'est Aga Famous. Vous pouvez aller visiter sa chaîne. Vous verrez même les travaux du début jusqu'à la fin, quoi. Les travaux du chantier en entier. Et voilà, nous sommes encore dans une autre chambre. Vous voyez, il y a
Le lit en trois places, je pense. Très bien. Très bien. Vous voyez un joli tableau là-bas. Très chic, très cool. Moi, j'aime en même temps, j'ai eu envie quand même d'aller me loger dans ce magnifique appartement pendant un mois. Je pense que ça va me faire du bien, hein. Ça, parce que le confort y est. Tout ce que tu veux. Vous voyez encore cette belle salle de bain. Vous voyez la merveille. Et par-dessus tout, tout sent bon ici, hein. C'est-à-dire, vous devez venir expérimenter pour savoir de quoi nous parlons. Un miroir intelligent en face de nous, c'est très merveilleux, non? Bon, c'est un travail remarquable. Et bon, la vidéo tend vers sa fin comme ça. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous êtes pour la première fois sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et bon, j'ai failli oublier la partie nécessaire. Ce sont des appartements à louer si vous êtes à Lomé. Pour un séjour, vous pouvez passer un bon moment ici. Ces genres d'appartements n'ont rien à envier de ceux de l'Europe, en fait. Vous voyez, de ceux de l'Europe. La personne a juste ramené l'Europe chez nous ici au Togo.